La fille ici doit rentrer chez ses parents. Amen, papa. Tu veux la bénédiction et la paix dans ta famille. Tu es marié? Hein? Non. Mais tu as le problème de conception comment? Celui avec qui tu cherches l'enfant est où? Hein? Il est où? Il n'est pas là. Hein? Bon, nous ne sommes plus ensemble en fait. Vous n'êtes plus ensemble? Oui. Mais tu cherches l'enfant pourquoi? Tu cherches l'enfant avec qui? Avec un ange. Il est présent. Il est présent? Oui. Il n'est pas là-bas. C'est lui qui cherche l'enfant avec toi. Il ne t'a pas épousé, mais il cherche l'enfant. L'enfant l'a perdu ou quoi? Hey, God. Enlevez sa fiche. On ne prie pas pour ce genre de cas. Je vous demande, vous êtes des chrétiens. Je doute. Je vous dis la vérité. Toi, tu cherches l'enfant avec elle? Je ne connais même pas la nouvelle. Je viens juste de l'apprendre. Hey, il a régné en public. Tu viens d'apprendre le micro. Tu viens d'apprendre quoi? Tu viens d'apprendre quoi? C'est ça qui m'intéresse d'abord. Avant que tu ne continues le reste. Elle a ses problèmes de conception. De conception. Oui, oui. Tu viens d'apprendre. Oui, oui. Tu apprends maintenant qu'elle a des problèmes de conception. C'est tout ce que tu viens d'apprendre. Oui, oui. Votre relation date de combien de quand? Un mois et demi. Un mois et demi. Oui, oui. Et c'est vraiment du sérieux entre nous. C'est vraiment du sérieux. Oui, oui. Qu'est-ce qui te montre que c'est? Pourquoi tu dis que c'est sérieux? En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à changer en elle. Ah, tu as changé les choses en elle? Oui, oui. Je pense que avec Dieu, on va arriver. Mais vous cherchez l'enfant sans comment? Sans être marié? Le mariage va venir aussi. Ça va venir quand? C'est pas Dieu? Non, c'est pas parti. C'est un projet. Dieu va nous accompagner. On ne fait pas l'enfant. Il ne peut pas vous accompagner. On ne fait pas l'enfant sans être marié. Hein? Tu veux qu'un enfant vienne encore sans être marié, sans être dans le foyer, tout ça. Ne augmentez pas les souffrances. Vous comprenez? Il y a déjà une bénédiction sur un enfant qui est sorti, qui est né dans un foyer. Avant qu'il ne naisse de nouveau, oui, il y a une bénédiction. Parce que la Bible dit que le fruit des entrailles, amen, hein, est une récompense de l'Éternel. Ah, c'est dans le psaume 127. Il récompense qui? Les mariés. Le père qui épousait la mère. Alléluia. Dieu va tu as vu ça, ses parents déjà? Ses parents, bon, son oncle, mais ses parents encore non. Ses parents encore non? Oui. Ah, maman, qui est ton enfant parmi les deux? C'est le garçon. On va à côté du garçon alors. On va à côté du garçon. C'est ta maman là-bas. Bon. Maman, tu connais tu connais sa mère? Pas encore. Tu connais son père? Pas encore. Et l'enfant de Trouille fait quoi chez toi? Non. On a programmé aller là-bas. Mais elle fait quoi chez toi quand tu n'as pas encore regardé, vu ses parents? Oh, tu habites où? Tes parents sont où? Ta mère est à Yaoundé. Et le père ici à Douala. Où? Où est Douala? Où? Il est à Koto. Il est à Koto? Oui. T'as-tu vu où? Bon, à Yaoundé. Attends, just get it. Tu fais quoi ici? Ça, c'est Douala, c'est pas Yaoundé ici. Tu es chez lui, non? Oui, nous sommes ensemble. T'as-tu es chrétienne? Tu viens à Holy Ghost? Tu laisses que ton fils vienne avec l'enfant de Trouille chez toi? Comment l'enfant de Trouille peut venir vivre chez toi? Si quelque chose lui arrive là-bas, si. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Si je prie pour toi, tu ne peux pas être béni. Je parle de la femme. Regardez, c'est autant de choses qui expliquent pourquoi nous prions pour vous. Rien ne se passe. Hein? Ton fils n'a pas épousé la fille de Trouille et l'amène vivre chez toi. Si moi je prie pour toi sur n'importe quoi, rien ne va se passer. Il y a le diable que toi-même tu as installé chez toi en déposant une relation illicite dans ta maison. Hey, regarde. Suis. La fille ici doit rentrer chez ses parents. Amen, papa. Tu veux la bénédiction et la paix dans ta famille. Ce n'est pas sa femme. S'il veut qu'elle vienne vivre à la maison, il épouse. Amen, papa. Tu fais quelle classe? J'ai eu le bac. Tu as eu le bac? Oui. Tu fais quoi maintenant? On ne fait rien pour le moment. Toi, tu fais quoi? Je travaille dans une station totale. Société totale? Oui, oui. Station service. En station service. Oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu connais son père? Sur les photos, oui, mais physiquement, non. Tu es un diabo. Hein? Quand toi, c'est ici à côté, tu ne connais pas son père. Vous ne connaissez pas les risques que vous prenez. Si quelque chose lui arrive chez vous, elle ne reste plus. Vous faites comment? Vous prenez, vous jetez dehors. Vous amenez où? Tu vas avoir quel argent pour l'amener à l'hôpital? Si son père après te porte plainte, tu dis quoi? Si son père après te porte plainte, tu dis quoi?
Si son père après te porte plainte, tu dis quoi? Si son père après te porte plainte, tu dis quoi? Écoutez que je vous dise quelque chose. Évitez des problèmes pour rien. Hein? Des problèmes inutiles. Est-ce que vous comprenez? Ok. La main du Seigneur sur toi. Hein? Amen. La grâce de Dieu sur toi. Lorsque j'ai parlé à ton fils là qui était venu avec sa copine, ils sont partis où? J'ai dit que ton fils, c'est celui qui était grand de taille comme ça, non? Oui, papa. Je demande, quand j'ai parlé de la relation ici, à la jeune fille, ouais, que s'est-il passé après? Quand je prie pour la dame-ci, un ange pointe le doigt sur toi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton fils? Quand nous sommes arrivés à la maison ce jour, oui, je lui ai dit de faire partie la fille. Uh-huh. Et comme il était dessus, il est toujours resté. Un jour, je me suis donc fâchée et je lui ai dit que si je rentre du travail, je vous trouve encore là, je vais vous chasser. Uh-huh. Et c'est comme ça que je les avais chassés. Uh-huh. Et comme il avait pris une chambre de l'autre côté, il est parti là-bas avec la fille. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Uh-huh. Il a appelé dans la famille de la fille hier. Uh-huh. Et quand la famille de la fille est arrivée, uh-huh, c'est comme ça que la mère de l'enfant a donc appelé le commissaire. Oui. On l'a arrêté. On l'a amené à PJ. Ah oui, papa. Pour qu'il fasse quoi? Et on le transfère cette nuit. J'avais demandé à la fille, est-ce que ton père sait que tu es ici? Qui se souvient? Pour la PJ. On l'a amené, on le transfère quand? Cette nuit. Oui. On a dit que le motif c'est quoi? Moi, je ne suis pas partie là-bas. Quand les prophètes parlent, les gens pensent que c'est la blague. J'ai parlé de ça ce jour-là. Pendant au moins 5, 10, 15 minutes. Avec beaucoup d'insistance. Hein? Maintenant, qui t'a dit qu'on l'a arrêté? Il y a ses amis du quartier qui sont venus à la maison hier nuit. Que quoi? Hier soir, vers 19h. Dit qu'on l'a arrêté. Uh-huh. Et la fille où? Il m'a appelé en journée vers 14h pour me dire que la fille aussi est en cellule. Donc les deux sont en cellule et il m'a dit que là où il est, on a dit qu'il doit payer la pension, la scolarité de la fille. Ça fait mal à un pasteur de savoir qu'il te parle, il te parle. Quand il vient au culte, il t'observe, il regarde ton comportement. Ton comportement ne le gère pas. Ça veut dire que presque ce que tu veux, je fais comme je veux. J'ai dit au jeune homme, laisse cette fille partir. J'ai demandé que tu arrêtes. Elle m'a dit qu'elle arrêtait où ça prend le bac. Il lui a dit tu dois rentrer à l'école. La vidéo est sur Facebook. Maintenant, on l'a arrêté. S'il meurt là-bas, ce n'est pas la mort gratuite, ça. Il n'est pas en prison maintenant. Il dit qu'on le défait la nuit. Tu ne pries pas, tu ne vas pas voir ton fils.